Le continent africain regorge de minéraux et de métaux précieux. Selon les données de l'US Geological Survey de 2021, l'Afrique détient près de 30% des réserves mondiales de minéraux. Parmi eux, il y a le platine. L'Afrique du Sud possède 90% des réserves mondiales de platine. Le cobalt, la République démocratique du Congo, RDC, abrite 50% des réserves mondiales de cobalt, indispensables pour les batteries de véhicules électriques. L'or, l'Afrique détient environ 50% des réserves mondiales d'or, avec des pays comme l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali parmi les principaux producteurs. L'Afrique dispose aussi de 60% des terres arables non cultivées dans le monde, seuls 10% de ces terres sont actuellement utilisées pour l'agriculture. Malheureusement, l'histoire coloniale de l'Afrique a laissé des traces dans la structure économique et politique de nombreux pays. Les anciennes puissances coloniales ont souvent exploité les ressources africaines à leur avantage, laissant derrière elles des économies dépendantes à l'exportation de matières premières, plutôt que d'utiliser les minéraux pour eux-mêmes pour développer leurs économies. Certains pays tentent aujourd'hui de réparer le modèle commercial qui est une relique de l'ère coloniale, et nous allons voir correctement dans cette vidéo l'exemple du Zimbabwe. En décembre 2022, le président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa a annoncé que son gouvernement allait interdire les exportations de minerais de lithium brut. La question qui se pose, c'est pourquoi un gouvernement empêcherait certains secteurs de vendre leurs produits au reste du monde. En fait, pour tout vous expliquer, les restrictions à l'exportation sont plus courantes que vous ne le pensez. Depuis le début de l'année 2022, 34 pays ont imposé des restrictions à l'importation sur les aliments, les engrais. Les restrictions étaient en réponse à la guerre en Ukraine. Des restrictions ont également eu lieu pendant la pandémie du Covid-19. Selon l'Organisation mondiale du commerce, 85 pays ont imposé une certaine forme de restriction à l'exportation sur toutes sortes de fournitures médicales. Les restrictions à l'exportation ne sont pas seulement pour économiser les approvisionnements, elles peuvent également être utilisées pour certains secteurs au détriment d'autres. C'est pour cela que le Zimbabwe interdit l'exportation de lithium dans l'espoir d'obtenir une transformation à haute valeur ajoutée. Pour les usines de fabrication, les travailleurs de ces usines réinvestiraient alors leurs salaires élevés dans l'économie du pays, mais une interdiction d'exporter n'est pas sans conséquences. Rappelez-vous les restrictions alimentaires mentionnées plus tôt. Lorsqu'il y a eu des restrictions de produits alimentaires et d'engrais, cela a eu pour conséquence la contraction de l'offre et forcément cela a produit une augmentation du prix sur les marchés mondiaux. Après l'invasion de l'Ukraine, les prix des denrées alimentaires ont augmenté d'environ 40% par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la plus forte augmentation en une décennie. La situation est si mauvaise que de nombreuses organisations mondiales mettent en garde contre une crise alimentaire. Certains analystes craignant que l'interdiction par le Zimbabwe de l'exportation du lithium brut pourrait avoir un impact similaire sur les prix mondiaux du lithium, d'autant plus que le pays possède l'une des plus grandes réserves de lithium au monde et la plus grande réserve de lithium d'Afrique. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi le lithium est si important. Ensuite, l'état de l'industrie minière du Zimbabwe. Et pour finir, pourquoi le Zimbabwe a fait le choix de l'interdiction à l'exportation du lithium et quelles sont les conséquences ? Chapitre 1. Pourquoi le lithium est si important? Le lithium est un élément chimique métallique blanc argenté. C'est le métal le plus léger et le plus électropositif, ce qui signifie qu'il a une forte affinité pour les électrons et qu'il réagit facilement avec d'autres éléments. Le lithium a été découvert en 1817 par Johan August Arfwedson, un chimiste suédois. Aujourd'hui, le lithium est devenu un minéral stratégique pour les économies du monde entier, car il est un élément clé dans la production de batteries pour les véhicules électriques et d'autres technologies de stockage d'énergie renouvelable. Selon une étude de Market, le marché mondial des batteries au lithium-ion devrait atteindre 129 milliards de dollars d'ici 2027. Cela représente une croissance annuelle composée de 18,0% entre 2019 et 2027. Le lithium est utilisé dans les batteries lithium-ion, qui sont devenues la technologie de choix pour les batteries rechargeables en raison de leur densité d'énergie élevée, de leur longue durée de vie et de leur faible taux d'autodécharge. Les batteries au lithium sont utilisées dans une variété d'applications, notamment les téléphones portables, les ordinateurs portables, les appareils photonumériques, les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable. Selon le Global EV Outlook 2021 de l'Agence internationale de l'énergie, le parc automobile mondial de véhicules électriques a atteint 10 millions d'unités en 2020, soit une augmentation de 43% par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été stimulée en partie par les politiques gouvernementales visant à promouvoir l'utilisation des véhicules électriques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
La demande de lithium a également été stimulée par l'expansion de l'industrie des énergies renouvelables, car le lithium est utilisé dans les systèmes de stockage d'énergie renouvelable, tels que les installations de stockage d'énergie solaire et éolienne. Selon une étude de Zion Market Research, le marché mondial des systèmes de stockage d'énergie devrait atteindre 59 milliards de dollars d'ici 2026, avec une croissance annuelle composée de 34,3% entre 2019 et 2026. Cela signifie que la demande de lithium devrait continuer à croître dans les années à venir, offrant des opportunités importantes pour les pays disposant de réserves de lithium importantes, telles que l'Australie, le Chili, l'Argentine et le Zimbabwe. Chapitre 2, l'état de l'industrie minière du Zimbabwe. Aujourd'hui, la Banque mondiale classe le pays comme un pays à revenus intermédiaires inférieurs, son point positif est son secteur minier. L'industrie minière joue un rôle crucial dans l'économie du Zimbabwe, contribuant à environ 16% du PIB du pays, et représentant plus de 60% des recettes d'exportation en 2020. Riche en minéraux tels que l'or, le platine, le chrome, le lithium et les diamants, le Zimbabwe possède un potentiel minier considérable. Le Zimbabwe est le troisième plus grand producteur d'or en Afrique, avec une production d'environ 22 tonnes en 2020. Le pays possède également les deuxièmes plus grandes réserves mondiales de platine, représentant environ 12% des réserves mondiales. Outre l'or et le platine, il est également riche en chrome, avec environ 12% des réserves mondiales, ainsi qu'en diamants, en charbon et en lithium. Le pays est considéré comme l'un des pays les plus riches en termes de réserves de lithium. Selon le US Geological Survey, le pays possède des réserves de lithium estimées à environ 23 000 tonnes de lithium métal en 2021. Cela le place au cinquième rang mondial en termes de réserves de lithium, derrière l'Australie, le Chili, l'Argentine et la Chine. Au cours des dernières années, l'industrie minière du Zimbabwe a favorisé des investissements étrangers et locaux, pour accroître la production et explorer de nouvelles zones d'extraction. En 2019, le gouvernement zimbabwéen a annoncé des plans visant à augmenter la production aurifère à 100 tonnes par an d'ici 2023. Malgré son potentiel, l'industrie minière du Zimbabwe est confrontée à plusieurs défis, notamment des infrastructures insuffisantes. Les infrastructures de transport, d'énergie et de communication au Zimbabwe sont souvent insuffisantes, ce qui rend l'exploitation minière difficile et coûteuse. Les coupures de courant et les mauvaises routes entravent la productivité et augmentent les coûts de production. Le cadre réglementaire du Zimbabwe est considéré comme complexe et peu favorable aux investisseurs. De plus, la corruption et la contrebande ont entraîné des problèmes de transparence et de gestion des revenus du secteur minier. La contrebande est un problème courant selon le ministère des Finances. Le Zimbabwe perd près de 2 milliards de dollars de minerais dans des canaux illégaux, l'or est le chouchou des contrebandiers de minerais, le lithium est également passé en contrebande. La raison pour le vol de minerais est très avérée et que les personnes qui travaillent dans ces secteurs sont très mal payées. L'accès au financement pour les projets miniers est aussi limité en raison des sanctions internationales qui frappent le pays depuis 20 ans. Elles ont été imposées par l'Union européenne et les États-Unis, à la suite de la répression violente ordonnée par le président Robert Mugabe en 2002. Depuis, il a été chassé du pouvoir. De plus, le pays manque d'expertise technique locale pour exploiter efficacement ses ressources minérales. L'inflation a été aussi un problème majeur pour l'économie zimbabwéenne au cours des dernières décennies. Dans les années 2000, le pays connaît une hyperinflation qui a atteint un taux record de 231 000 % en 2008, selon le Fonds monétaire international. Cette inflation a été causée par plusieurs facteurs, notamment la mauvaise gestion économique, la politique de la terre brûlée du gouvernement, la corruption, la fuite des capitaux et les sanctions internationales. Pour faire face à l'inflation, le gouvernement a introduit une série de réformes économiques, notamment la dollarisation de l'économie en 2009, qui a conduit à l'utilisation du dollar américain comme monnaie officielle. Cependant, cette politique a également entraîné une pénurie de dollars américains, car le Zimbabwe dépendait alors fortement des importations. En 2019, le gouvernement a abandonné la dollarisation et a lancé une nouvelle monnaie, le dollar de Rhodésie, dans le but de stimuler l'économie. Cependant, cela n'a pas réussi à résoudre les problèmes économiques du pays, car l'inflation a continué d'augmenter et a atteint un taux de 837,5% en juillet 2020, selon le Zimbabwe National Statistics Agency. L'inflation élevée a eu un impact négatif sur l'économie zimbabwéenne, entraînant une hausse des prix des biens de consommation, une réduction du pouvoir d'achat de la population, une augmentation du chômage et une instabilité économique. Les salaires sont très bas dans le pays. En 2019, 40% de la population vivait avec à peu près 2 dollars par jour,
après ajustement du pouvoir d'achat, ce qui est supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Un faible revenu entraîne un faible niveau de consommation et d'investissement, cela signifie également qu'un gouvernement possède une petite assiette fiscale sur laquelle puiser pour développer son économie. C'est en partie pourquoi l'inflation au Zimbabwe a été si élevée avec très peu de recettes fiscales et que le gouvernement compte sur l'impression de monnaie pour financer ses dépenses. Cela explique pourquoi le gouvernement veut encourager l'installation de la chaîne de transformation de minerais, car les emplois dans le traitement des minerais et la fabrication de batteries ont tendance à offrir de meilleurs salaires que les emplois dans l'exploitation minière, en raison d'une différence dans les exigences de compétences. Un salaire plus important des ménages entraînerait une plus grande consommation qui augmenterait les revenus des entreprises, et grâce à cela les entreprises réinvestiraient alors ce bénéfice dans plus de main-d'œuvre et d'équipement pour maintenir leur part de marché. Cela augmenterait également les impôts des entreprises envoyés au gouvernement, ce qui donnerait plus d'argent à dépenser pour des projets d'infrastructures tels que les chemins de fer que les ménages et les entreprises peuvent utiliser pour générer encore plus d'argent. En bref, un revenu des ménages plus élevé crée une sorte de boucle rétroactive qui a un impact positif sur la croissance économique. Chapitre 3. Pourquoi le Zimbabwe a fait le choix de l'interdiction à l'exportation du lithium et quelles sont les conséquences ? La hausse des recettes minières est l'un des leviers sur lesquels s'appuie le gouvernement du Zimbabwe pour relancer l'économie locale. Dans cette optique, une attention particulière est portée au lithium, produit minier qui promet des revenus conséquents vu son rôle dans la transition énergétique. D'ailleurs, on appelle le lithium le pétrole du 21e siècle. Le Zimbabwe cherche à accroître les revenus générés par le lithium, produit minier dont il est le seul producteur en Afrique, non seulement en augmentant l'extraction, mais en investissant aussi dans la transformation au niveau local. Le ministre des Finances et du Développement économique, à la stabilisation des prix, a ainsi indiqué le dernier mois que le gouvernement est prêt à avancer 20 millions de dollars aux investisseurs porteurs de projets de fabrication de batteries au lithium dans le pays. Selon les détails donnés par le média local The Herald, cette stratégie est soutenue par le Parlement où un projet de loi portant révision du code minier est actuellement débattu en commission. Selon Edmond Karatigwa, président de la Commission parlementaire des mines et du développement minier, le pays doit obtenir de meilleures financières déposées grâce à son lithium, compte tenu de l'intérêt que ce produit suscite actuellement dans le monde. Rappelons que les autorités zimbabwéennes ont déjà pris un certain nombre de décisions s'alignant derrière cette politique. En septembre dernier, un accord de 2,83 milliards de dollars a ainsi été annoncé entre le gouvernement et les entreprises chinoises Eagle Canyon International Group et Pacific Gold Investment Ltd. pour la construction d'un complexe industriel étendu sur 5000 hectares et destiné à transformer localement plusieurs métaux, dont le lithium. Les géants chinois Sinomine Resources Group, Zhejiang Guiyu Cobalt et Shangxin Lithium Group ont acquis, en 2022, des mines et des projets de lithium d'une valeur combinée de 678 millions de dollars au Zimbabwe. Les deux dernières entreprises développeront également des usines de traitement, ce qui les exempterait de l'interdiction. S'agit-il d'une manœuvre entre le Zimbabwe et la Chine ? Nous pensons que l'interdiction pourrait en faire favoriser les liens entre le Zimbabwe et la Chine, car les dirigeants savent que cela favorisera des relations plus étroites et elle a accès de la Chine à cette partie de lithium. Le Zimbabwe est devenu l'un des partenaires les plus proches de la Chine sur le continent africain. Les entreprises chinoises sont les mieux préparées à la transformation au Zimbabwe car elles ont déjà investi. L'interdiction inattendue a porté préjudice aux accords de vente en cours entre les mineurs et les acheteurs internationaux, dont certains avaient contracté des prêts auprès de leurs pays respectifs pour faire le commerce de ces minéraux. De plus, cette mesure aurait occasionné le stockage d'environ 2 millions de tonnes de minerais de lithium, à croire les détails rapportés par Bloomberg. Pour l'instant, l'interdiction comporte des inconvénients, tant pour le Zimbabwe que pour le marché mondial du minerai. Cela va obliger les extracteurs à construire des installations de traitement et à augmenter de manière matérielle le coût des projets de lithium au Zimbabwe. De plus, d'autres pays africains disposant d'importantes réserves de lithium, comme le Ghana et la Namibie, seront probablement plus attrayants pour les investisseurs. Si d'autres pays producteurs de lithium suivent l'exemple du Zimbabwe et interdisent l'exportation d'or blanc non traité, cela alimenta des prix mondiaux déjà élevés sur le lithium et sur la demande pour les batteries au lithium. Cela pourrait également affecter négativement les entreprises utilisant des batteries au lithium, telles que les fabricants de véhicules électriques, avec une augmentation de prix ou une qualité inférieure. Vous l'avez compris, tous les regards sont tournés vers l'industrie du lithium au Zimbabwe en raison de ses réserves importantes de lithium de haute qualité, de la demande mondiale croissante pour ce minéral, de la politique du gouvernement visant à interdire l'exportation de lithium brut vers l'étranger et des investissements étrangers récents dans ce secteur. L'industrie du lithium pourrait ainsi jouer un rôle clé dans le développement économique du Zimbabwe à l'avenir, si elle arrive à développer la transformation du lithium localement. Merci d'avoir regardé cette vidéo,
Abonnez-vous à la chaîne pour suivre l'actualité économique dans le monde. Je vous dis à bientôt les amis, pour un prochain visionnage.